Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette vidéo d'analyse de nouvelle sortie des Sims 4 qui sera les Sims 4 écologie qui vient d'être annoncée donc ce 6 mai et qui est prévue pour une sortie en juin. Je vais donc regarder en premier temps le trailer et bien en live, vous verrez ma réaction et ensuite on décortiquera une à une toutes les images pour voir tout ce qu'on peut voir qui est de nouveauté, que ce soit les coiffures, les vêtements, les objets et le gameplay. On est parti! Le épée commence. Ok, ah, la pollution. Ok, oula, oh! Les mouches. Oh, une nouvelle jolie coupe avec des tresses. Des trucs un peu container. Ok, très bien. Eco-lifestyle, c'est écologie. On peut compacter les vêtements, recycler les vêtements. Fabrication de bougies. Ah, c'est comme dans les Sims 3, il y en a qui vont être contents. Ouf, c'est vrai que c'est dégueulasse. Hein. Là, par contre, ça donne pas très envie. Oh, la coupe de cheveux avec les deux petits machins, c'est magnifique. Ok. Oh là là, il y a trop de choses là. Trop de choses, les enfants. Je suis en train de vous dire qu'il y a trop de choses. Un truc à insectes. Bestiole, quoi, je pense. Jolie coupe de cheveux aussi. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Des inventions? Yes! Une nouvelle carrière, peut-être un truc d'inventeur pour rendre le monde meilleur. Un absorbeur de pollution? Oui! Oh là là, des panneaux solaires! Yes! Ah oui! Ah, c'est beaucoup plus joli! Ah, c'est sympa! Oh, il y a des fringues. Oh là là, il y a trop de choses. Des aurores boréales! Oh mon dieu! Le 5 juin! Ah oui, c'est dans un mois pile quoi! Eh ben écoutez, voilà, c'est fait, c'est révélé et ce sera le 5 juin, les enfants. Et c'est parti donc pour l'analyse maintenant. On va regarder tout en détail tous les moindres objets et tout le gameplay disponible pour cette EP, donc cette expansion pack qui sort le 5 juin, les Sims 4 écologie. Nous arrivons donc dans une nouvelle ville qui est très industrielle. Ça se voit qu'on est vraiment très dans l'industrie. C'est assez marronasse, dégueulasse, cracra, hein, ça fait pas envie. Ah ah, des nouvelles poubelles, une espèce de débris. Regardez-moi ça, ça c'est des trucs de débris ça. Ouais, des pneus, tout ça, ça doit être de la future décoration, ou au pire dans le debug, j'espère, pour pouvoir faire vraiment des trucs cracra, un peu style apocalyptique. Avec des panneaux solaires, c'est ce qu'on a vu, et des containers. Alors, déjà, est-ce que ça, c'est les tatouages que nous avons déjà? Nous avons par contre des nouveaux piercings. Cette fois-ci, nous avons un anneau avec une boule et un anneau au nez. Une boucle d'oreille beaucoup plus large ici. Bracelet, je suis pas sûre que ce soit un nouveau. En tout cas, le pull est un nouveau. Ça, c'est nouveau, ça, c'est nouveau. La coupe de cheveux a l'air nouvelle. On dirait que c'est fait en tresse avec le crâne rasé sur les côtés. Pareil ici, pour moi, c'est une coupe de cheveux nouvelle. Veste et chemise nouvelle, pantalon nouveau. Pour chaussures, je ne suis pas sûre. Et regardez l'environnement des containers. Donc, on est vraiment à un port, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est Evergreen Harbor, d'après ce qu'il y avait leaké. Donc, lui, il n'est pas content parce que c'est crade. Et elle tousse parce qu'elle est sûrement malade à cause de la pollution. Ici, ça, c'est un objet que nous connaissons déjà. Donc, ça, nous avons des voitures qui sont sûrement de la décoration. Hein, il ne faut pas vous exciter. Ça, par contre, c'est vraiment des ordures. Vraiment, un petit peu de bordel. J'aime beaucoup. Hein. À mon avis, il va falloir nettoyer un peu comme la plage de Sulani. Nettoyer un peu partout pour rendre le quartier beaucoup plus sympa. Nous avons donc des protagonistes avec des nouveaux vêtements. Cette veste en jean un peu découpée dans tous les sens. Elle a aussi une jupe et un jean par-dessus. C'est un style. Hein, on va pas se cacher. Une coupe de cheveux avec des cheveux attachés et une petite mèche devant. Lui aussi, ça c'est nouveau pour moi. J'arrive pas à bien voir. Et lui, pareil, il a une espèce de sweat à capuche et un petit bermuda. Très bien. Alors, nous avons des petits sacs poubelles verts, des pneus, des canettes, des bouteilles de lait, des bouteilles tout court, des baignoires, des planches. Et ça traîne. Ça, c'est des nouvelles chaussures. On dirait des sandales tressées. Ce ne sont pas les plus belles, on va pas se cacher. Ce pantalon là non plus, je l'ai vu, j'ai pas eu un coup de cœur. Hein. Je suis pas sûre que je le vois souvent chez mes Sims, mais bon, pourquoi pas. On dirait vraiment un truc rapiécé. Et en parlant de rapiécé, cette dame derrière a vraiment un espèce de pantalon archi rapiécé. Alors, lui, il a une nouvelle coupe de cheveux, le pauvre. Il a un nouveau
pull, le pauvre, oui, parce que ben il est couvert de bestioles, à mon avis, il doit y avoir des coins dans la ville qui doivent pas être terribles et qu'on se fait assaillir de mouches. Mais là, c'est horrible, hein, c'est la mort par la mouche. Regardez-moi comment il se fait recouvrir en moins de deux. Une nouvelle mort, les enfants. Ici, nous avons quelqu'un qui a un sac sur sa tête, pourquoi pas, mais qui a un nouveau haut, une espèce de deux en un, avec un pantalon et des découpes qui m'a l'air nouveau. Pareil pour les chaussures qui ont l'air de boots avec une sangle, pourquoi pas. Des sandales qui donnent pas très envie, qui sont nouvelles, parce que je... Oui, c'est des sandales. Avec un nouveau pantalon, pareil, toujours un peu rapiécé. Et il a la tête, ou elle, a la tête dans la poubelle pour faire... Bonne question, je ne sais pas encore quoi. C'est une fille donc qui en ressort. Elle a un nouveau petit chapeau qui est un béret avec une jolie texture quand même. Une coupe de cheveux avec des petites tresses qui est contrastée. Ça, c'est sympa. Et donc la veste qu'on voit un peu mieux, on dirait la NASA ici, c'est assez rigolo. On a des déchets avec une vieille armoire comme ça, avec plein de déchets, tout ça. C'est assez rigolo. Est-ce qu'on pourrait récupérer les meubles et les retaper? Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Donc la construction d'une maison. En stop motion, mieux faite que la mienne. Bravo les Sims. Avec une nouvelle texture de papier peint. Et que ça ressemble vraiment à des containers. Donc ça, c'est super cool. Après Strangerville, on aura vraiment quelque chose qui sera adapté. Avec un espèce de auvent également en fer. Avec des bandes de tissu qui super sympa. J'aime beaucoup. Et on voit, bon, le canard, on le connaît. Je commence à déjà voir des petits outils, des trucs qui, à mon avis, vont énormément aider au recyclage. Nous avons des nouveaux vélos, comme vous pouvez le voir ici. J'aime beaucoup la petite ampoule avec la petite feuille à l'intérieur. Elle va recycler. Elle a mis des ordures là-dedans. Je sais pas trop. Là, j'ai cru que c'était des vêtements, mais peut-être pas. Donc, ça, on n'a pas. Ce sera peut-être une mobylette électrique ou juste un nouveau vélo. Ça, nous avons. Ça, nous n'avons pas. C'est une nouvelle lampe. C'est une nouvelle plante. Est-ce que c'est compris dans le meuble? Je ne peux pas dire encore. Ça, nous n'avons pas non plus. Elle est vraiment sympa, cette décoration murale. Donc, voilà, sa machine. C'est vraiment vraisemblablement quand même des pièces assez grosses, assez donc c'est pas vraiment des vêtements. C'est vraiment quand c'est sorti comme ça que j'ai cru que c'était des vêtements compactés. Pourquoi pas en même temps, mais bon. Et pouf! Allez, un compacteur d'ordures, mais depuis quand j'attendais ça, moi, dans les Sims 4? Ici, donc c'est l'atelier pour fabriquer des bougies, donc ce sera cool, on pourra faire un petit magasin. Avec fabrication de bougies. Vous avez une très belle bougie jaune, une plus normale blanche, et celle-ci, elle est vraiment très originale et très colorée. On retourne dans la ville, où là, on a vraiment un terrain vraiment, vraiment dégueulasse, qui sert vraiment de déchetterie, on va dire, hein. Donc, on a un panneau, peut-être que c'est un mouvement écologique que l'on pourra jouer. Et voilà, une plus belle planète pour tout le monde, des idées, voilà. Alors, j'adore cette coupe de cheveux ici. Elle est trop mignonne. Celle-ci est plutôt sympathique aussi. On a du coup un nouveau vêtement, un nouveau pull avec une manche qui tombe un petit peu sur l'épaule et un débardeur en dessous. Une salopette pour les hommes. C'est vrai qu'on n'en avait pas encore une. Et on voit mieux la nouvelle coupe de cheveux également pour l'homme. Donc, le bonnet, ça c'est un bonnet qu'on connaît déjà. On revoit, c'est pas vraiment des fringues qui m'intéressent beaucoup, hein, je vais pas vous cacher. Un nouveau short en jean avec des découpes, encore une fois. Un petit haut qui fait un peu ciré, mais un peu transparent avec un top en dessous, pourquoi pas. Ça c'est vraiment pas très jojo, hein, mais... Un manteau un peu rapiécé de partout, un Bermuda camouflage rouge qui m'a l'air un peu rapiécé également. On a aussi ça qui est un peu troué de partout. On a toujours la boucle d'oreille, le piercing ici et un espèce de pantalon Bermuda, je ne vois pas. Sur le panneau, on a donc tous les petits voilà les trucs. Je pense qu'avec une boîte aux lettres, on peut proposer nos idées pour que ce soit peut-être respecté dans le quartier. Et bien sûr, je vois la nouvelle coupe de cheveux de la fille ici et je pense de lui aussi. Donc il met un petit truc dans la boîte aux lettres et regardez-moi ce chantier. On va devoir nettoyer tout ça, les enfants, ça va être sympa. Et regardez ce que ça devient un endroit propre, un endroit fleuri, un endroit où on peut vendre des orangeades. Peut-être qu'on va pouvoir faire notre propre jus de fruits.
Mais ça, c'est une bonne idée. Là, lui, qu'est-ce qu'il vend? On dirait des épices. Et lui, il vend ses bougies. Très bien. Une nouvelle coupe de cheveux aussi pour celui-là, avec une coupe. Elle me fait penser à Peaky Blinders un petit peu quand même. Faut pas, on va se l'avouer. Avec toujours nouvelle veste et haut, avec un jean et toujours rapiécé. La demoiselle ici, on voit mieux la coupe de cheveux du coup de l'autre côté avec le petit buns à l'arrière. Le short avec des patchs, tout ça, vraiment sympa. Le petit haut a l'air vraiment mignon. Celle-ci, elle a l'air d'avoir aussi une nouvelle coupe de cheveux, une veste d'une autre colorie, le jean. Très bien, ça aussi, bon, ok, ça c'est plutôt de l'imprimé. Et ce haut-là, il me disait rien, mais peut-être que c'est un nouveau aussi. Là, une autre personne met un mot. Ah, j'avais pas vu la petite caravane. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vendre? En tout cas, ici, on a une nouvelle table, une nouvelle chaise. Excusez-moi, je vois que ça maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Et là, est-ce que ce sera peut-être un festival de l'écologie? Vous venez et... Oh, la vieille télé avec les antennes. Quel bonheur. Regardez-moi cette plante magnifique, nouvelle chaise également. Oh, mais j'ai un festival de l'écologie où les gens viennent. C'est la fête en fait, c'est pour sensibiliser les autres et tout ça, pourquoi pas? Et là, on voit les différentes machines, on voit ce grand truc-là, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une séparation? Je ne sais pas. Et voilà, on passe d'un état dégueulasse à un état magnifique. Mais c'est super beau. Est-ce que c'est nous qui allons devoir faire ça? Oh, un nouveau bac de plantation. Ou est-ce que ça va se faire naturellement? Oh, l'arche, elle est très très jolie. L'arche est très très jolie parce qu'elle a le petit lierre qui monte ici. Donc nous avons un nouveau parquet quand même, il me fait penser à un nouveau parquet. Une nouvelle robe également fendue. Cette robe-là est nouvelle également, avec une petite ceinture et les manches trois quarts. Ça fait un peu style 90 avec le truc en dessous là. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec la jupe et le pantalon, en plus. Très bien. L'éolienne est ici. Oh là là, cette fresque-là, avec les feuilles, les fleurs, les je sais pas quoi. Donc, on pourra jardiner. C'est génial, ça, pour les mini-maisons ou les appartements. C'est génial. On va pouvoir avoir des plantes. Oh, regardez-moi ça aussi. Mais c'est beaucoup trop beau. Regardez cette texture de papier peint également. Aïe 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 aïe. Donc on va pouvoir jardiner sur des murs végétaux en fait. On ne sera plus obligé d'avoir de la place au sol. On pourra l'avoir en hauteur. Oh, et j'avais pas vu cette magnifique coupe de cheveux avec des tresses. Oh là là là. Il y a beaucoup de choses. Et j'ai vu le panneau solaire. Regardez le panneau solaire ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge? Et ça, c'est quoi? C'est une séparation en bois qui est magnifique. Est-ce que ce sera un récupérateur d'eau? Oh, en tout cas, j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça très très joli. Oh. Donc lui, il est content parce que regardez-moi ces fleurs derrière, j'adore, j'adore. Oh là là là. Il est content parce que ben voilà, ils ont réussi la mission et nous avons un petit arbre. Ah oui, donc c'est bien des insectes puisque ici on a des espèces de je sais pas si c'est des chenilles ou des larves de quelque chose. En tout cas, il les récupère dans sa main pour pouvoir les sauver et les aider. Peut-être par contre, elle est énorme celle dans ta main, gars. Moi, je m'y risquerais pas, hein. En tout cas, on voit bien derrière les fleurs, regardez les séparations, la petite arche. Regardez-moi cette chenille énorme. En tout cas, il l'adore, la petite chenille. On arrive au moment où cette demoiselle qui a aussi une nouvelle coupe de cheveux très jolie qui part sur le côté, une nouvelle boucle d'oreille, un nouveau haut et un nouveau pantalon et une nouvelle tablette qui est en train de travailler apparemment sur des inventions. D'après ce que j'ai compris, on voit la petite bulle ici, mais on voit surtout une petite nouvelle texture de mur ici et une nouvelle porte peut-être. Donc elle est en train de travailler sur la machine qui aspire l'air pollué. C'est ce qu'on a vu. Donc elle est en train de fabriquer avec son robot qui ressemble beaucoup au robot au travail. Et elle est en chemin et elle dit maintenant je vais essayer mon invention parce que je suis la best. Donc je vais vous sauver tous de la pollution. Et voilà sa fameuse machine qui d'un seul coup. Voilà, elle aspire tout. Et on peut voir comme ça aussi bien l'environnement dans lequel nos Sims vont pouvoir vivre dans cette nouvelle ville. Et boum! C'est vachement plus joli quand même. Regardez-moi ça. Oh, regardez ça. Est-ce que c'est des plantes? Est-ce que c'est un papier peint? Nouvelle fenêtre. Une échelle qui n'est pas destinée qu'à l'eau, les enfants. C'est fini. On aura des échelles pour de vrai. Donc elle a tout aspiré.
Et regardez-moi ça, ça se construit, regardez-moi ça! Mais oui, je suis contente, nous avons donc des fenêtres en V, en volume, on les avait déjà en plusieurs, cette fois-ci on les a en solo. On a donc les panneaux solaires comme vu, une nouvelle porte, une échelle, est-ce que ça c'est des nouvelles colonnes? Oui monsieur, oui madame. Un nouveau auvent, une nouvelle fenêtre. Une éolienne, une nouvelle texture de toit, de papier, une nouvelle texture ou une plante, je ne sais pas, des nouveaux bacs à fleurs, un nouveau paravent, qu'une texture de papier peint, par contre ça c'est peut-être un nouveau papier peint, une porte-fenêtre, dans le même sens, le même délire que la fenêtre ici, les panneaux solaires, une texture de toit verte, c'est de l'herbe, est-ce que ce sera dans une mise à jour? Et pourquoi pas? Il va falloir surveiller tout ça. Et est-ce que c'est une nouvelle cheminée? Oui, c'est une nouvelle cheminée. On a une gare désaffectée. Et cette gare désaffectée, oh là 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 là, ça devient super joli. Regardez-moi, tout est green. Il y a plein de fleurs partout. Tout le monde s'enjaille. Oh là là. Cette fenêtre, incroyable. Mais j'ai envie que ces fenêtres réexistent, mais peut-être, peut-être pas. Regardez, elles sont pas transparentes. Oh. C'est bien dommage parce que je kifferais. Pour moi, on avait une nouvelle horloge et tout ça. Regardez-moi ce lierre magnifique. Mais est-ce que c'est un lieu qui est jouable? Je ne sais pas. On voit mieux la maison qui a été renouvelée. Ah, la petite, regardez, cette maison-là est très très belle aussi. Ce panneau ici, c'est peut-être des panneaux solaires de dernier cri. Pourquoi pas? Et cette maison est très sympathique. Et elle a beaucoup de nouvelles choses. Des jardinières ici aussi, des récupérateurs d'eau. C'est donc bien ça. Des panneaux solaires en veux-tu en voilà, des espèces de panneaux grillagés avec des fleurs dedans. Je sens que je vais énormément kiffer les fleurs. Moi, plus il y a de fleurs, mieux je vais dans ma vie, hein. Et là, on voit vraiment bien, on a ici une nouvelle robe longue avec une broderie boutonnée sur toute la longueur. Un nouveau haut avec, il est noué avec une petite jupe. La salopette homme dans un autre coloris, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'avait vu. Et ça, bien sûr, on l'avait vu d'ailleurs, une nouvelle boucle d'oreille pour la demoiselle. Et punaise, et ce final sur les aurores boréales, moi ça me rend chose. The Sims 4, Eco-Lifestyle ou Écologie en français. Et voilà, la sortie est prévue pour le 5 juin. Et voilà donc pour cette petite analyse de trailer en détail sur les Sims 4 écologie. Bah maintenant, mais vous pouvez me dire votre ressenti, si vous avez vu des choses que je n'ai pas vues, c'est possible. Et surtout, quel genre de vidéo vous voudriez que je fasse pour la sortie de ce pack, puisque vous savez, maintenant je suis Game Changer, donc j'aurai le pack en avance et je pourrai faire des vidéos en exclusivité avant la sortie pour vous de ce pack. Donc la sortie est officielle et le 5 juin, j'aurai sûrement avant et je pourrai tester des choses. Dites-moi ce que je veux tester. J'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de respecter vos choix et vos envies. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire donc et à partager cette vidéo aussi à tout le monde pour me faire connaître. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!